السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده وحبيبه وخليله صلى الله عليه وآله وسلم وجغد إن شاء الله تعالى نزل سيد بغضي un sujet, un phénomène qui frappe les musulmans aujourd'hui et qui concerne leur relation de couple qui concerne le mariage. Pourquoi il y a autant de divorces, pourquoi il y a autant de d'échecs? au niveau du mariage entre les musulmans bien sûr il y a des éléments il y a il y a des causes pour qui expliquent cet échec là à mon avis il y a deux causes fondamentales il y a une cause qui concerne l'étape avant le mariage et une cause qui concerne l'étape après le mariage bien sûr il y a encore d'autres causes les causes sont diverses selon le contexte selon les couples les personnes les familles etc mais dans le cadre religieux je pense qu'il y a deux causes qui sont fondamentales qui sont Importante. et que si on arrive à les résoudre à trouver des solutions je pense que une bonne partie de, 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 de musulmans et de musulmanes seront à l'abri de l'échec au sein du mariage l'étape qui est après qui est avant le mariage en fait c'est comment se rencontrer et la cause qui est après le mariage c'est le mode de vie euh, euh, comment dire au sein du couple. Aujourd'hui, inshallah, on commence par le premier élément qui est avant le mariage. Comme vous savez aujourd'hui, généralement, les pratiquants les religieux ou les, les musulmans pratiquants, qu'on vous, vous les appelez comme vous voulez, ils se rencontrent par l'intermédiaire des mosquées, des personnes, des frères et sœurs, etc. Parfois, par l'intermédiaire des sites de rencontre, etc., ils arrivent à se marier. Moi, j'ai constaté une problématique j'ai constaté une problématique. Suite à, aux centaines de mails, voire des milliers de mails que j'ai pu recevoir, aux gens qui viennent me voir régulièrement, pour m'exposer en fait leurs, comment dire, soucis de couple, etc., j'ai constaté, euh, 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 comment dire, cette cause. C'est que les gens, lorsqu'ils se marient, euh, si vous voulez, dans l'intermédiaire de la religion, par l'intermédiaire de la région, dans l'ambiance de la religion, en fait, ils n'arrivent ils pas à se libérer. Car dans leur tête, quelque part dans leur tête, il y a toujours euh, Je vais marier avec euh, ma sœur en Allah Ta'ala, et la sœur elle dit Je vais marier avec mon frère en Allah Ta'ala. Et du coup, qu'est-ce qui se passe En fait, cette, cette perception de, 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 de mariage, ce, 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 comment dire, cette façon de se rencontrer, va jouer un rôle négatif dans la suite de leur relation. C'est-à-dire, ils ne vont pas pouvoir se libérer. Pourquoi Car ils seront toujours psychologiquement contrôlés par le halal et le haram, etc. Alors qu'à l'époque du, du prophète salam et les compagnons, les rencontres ne se faisaient pas du tout de cette façon. Et moi, personnellement, je ne connais pas des exemples où des compagnons à l'époque du prophète ou même après, ont rencontré des filles à travers ce qu'on appelle muqabala c'est-à-dire dans la présence d'un d'un mahram, du père ou du tuteur de la femme, en quelques minutes, et voilà, ils ont conclu un mariage. Mais personnellement, je connais pas des récits qui en parlent. Ce que je connais, euh, c'est que les compagnons à l'époque du prophète et après l'époque du prophète a. Sallam, ne se marier pas ne se marier qu'après plusieurs mois ou un long moment de rencontre d'échange etc afin qu'ils puissent s'aimer, se découvrir, etc. pour qu'ils puissent se marier par la suite. Et c'était ça la norme autrefois, avant que la religion tombe entre les mains de l'empire Omeyyade, qui va faire intervenir les autres religions qui avaient une vision négative sur le mariage, sur les femmes, etc. Notamment les chrétiens. Et donc, suite à cette influence, bien sûr, à, à, à travers la, la fabrication des hadiths, etc., on a commencé à détruire, à faire oublier aux gens ce, ce mode de vie et cette façon de se marier à tel point qu'aujourd'hui vous constatez que toute rencontre avant mariage est dite haram dans la bouche des ce qu'on appelle les chouyuchs et les savants musulmans. Autrefois, ce n'était pas du tout le cas. Autrefois, on ne se mariait que si on a vécu ensemble, on a échangé, on a... On a, voilà, on s'est connu, on s'est aimé euh, auparavant. Et on nous avons des centaines d'exemples, voire des milliers d'exemples, des gens qui se sont mariés de cette façon. Même certains hadiths ont pu, comment dire, s'échapper de cette emprise au Mayad. Pourquoi Car les Arabes gardaient toujours, comment dire, cette histoire d'amour, qu'on vous savez, dans le monde arabe, avant l'islam l'amour, c'était quelque chose de fondamental, quelque chose de sacré. Et du coup, des individus ont pu même faire passer des hadiths appelant à préserver cette tradition, comme celui de Abi d'après Uqba ibn ou celui de amash d'après Salih, d'après euh, Abu Huraira, ou encore d'autres, dans lequel le prophète Alisabeth aurait dit, Aji Barabbuka, ton Seigneur, s'étonne au jeune qui n'a pas d'amour dans sa jeunesse et à tel point que Ibrahim bin Yazid al-Nakha'i disait nous que les salafs salih les compagnons il parle des gens qui sont venus avant lui et donc c'est les compagnons qui sont venus avant lui il nous dit il recommandait aux jeunes de connaître l'amour et ceci on parle bien avant avant le mariage et c'était la tradition الامام الشعبي عامر بن شراحيل يقول اذا انت لم تعشق ولم تدري ما الهوى فانت وعنز في الفلات سواء الشعبي دون سي enseignements Tu n'as pas aimé, tu n'as pas connu, euh, tu n'as pas connu non plus l'amour, soit comme une chèvre dans le désert. Et Omar ibn Abi Rabi'a, le grand poète, lorsqu'il entend ce vers de poésie, il répond et il dit Il disait Si tu n'as pas connu l'amour, tu n'as pas aimé, tu n'as pas connu l'amour non plus, soit comme une pierre dure une pierre dure dans le sens de cette poésie. Bref, autrefois, pour qu'on se marie, il faut qu'on se rencontre, il faut qu'on se voit, il faut qu'on... Qu'on qu fasse des échanges pour qu'on puisse se découvrir, pour qu'on puisse surtout aimer, car l'amour était fondamental. Et, et, et l'imam Omar ibn Shabba nous rapporte dans ses chroniques, un Abir Hassan, et également Hisham ibn Hassan nous rapporte d'après Muhammad ibn Sirin, et encore d'autres, il rapporte, et je vous sélectionne la parole de Muhammad ibn Sirin qui est interbi, qui a fréquenté le compagnon, il disait qu'il y lorsque l'homme aimait une femme, lorsque a l'homme aimait une femme, il fréquentait son quartier, bi il il fréquentait son quartier et il se réjouissait de voir ceux qui voient euh, celle qui que cet homme aime c'est-à-dire ses cousins ses frères et soeurs euh, ses voisins etc. donc il se réjouissait juste en voyant ceux qui fréquentent sa femme parmi les membres de sa famille ou de son quartier, etc. Et lorsque l'occasion lui permet d'avoir une assise, euh, voilà, comment dire, une petite fuite avec celle qu'il aime, ils s'assoyaient, ils échangeaient les poésies d'amour que chacun avait à préparer entre-temps pour l'autre. Et ils, se, et ils pleurent les deux ensemble. Ils pleurent les deux ensemble. Nous dit, il nous dit... Alors que dans cette époque-là, donc dans l'époque de Tabi'in, ils font pareil, sauf qu'ils n'échangent qu pas de poésie. Ils veulent, comme il dit Ibn Sirin, comme il dit Hisham Ibn Hassan dans le commentaire, qui est son élève, ils ne veulent que faire des rapports. Ce témoignage ou ces témoignages... Bon, J'ai sélectionné celui de Mohammed Ibn Sirin. Nous disent quoi? Nous disent que la norme à l'époque des compagnons, c'était de se rencontrer, c'était de s'aimer, c'était, etc. Imaginez, on essaie d'imaginer le récit de Mohamed Benoussirine, d'un jeune homme qui a aimé une femme et qui va, qui se rendait régulièrement dans son quartier, afin de la voir, par exemple, de la fenêtre, de lui glisser un mot, de lui dire quelque chose, elle aussi pour qu'elle, euh, comment dire, elle l'observe, qu'elle lui dise des choses, etc. Et quand il comment dire, l'occasion euh, leur permet de se rencontrer, en cachette, et eh ben ils se réjouissaient, ils échangeaient des, des, des poésies et ils pleuraient, et ils sont ensemble, etc., dans, dans une ambiance d'amour, etc. Et pendant un moment, et dans et Ibn nous dit pendant un an ceci, il nous dit. Pendant un an, lui, il cherche pas à nous dire un an, mais par exemple, il veut dire pendant longtemps. Ça se passe comme ça jusqu'à ce que l'occasion ou les moyens permettent à l'homme d'aller demander la femme au mariage. Et donc, ça, c'était la norme. Ça, c'était la façon avec laquelle les gens se mariaient à l'époque du prophète, alayhi salatu et à l'époque des compagnons, contrairement à aujourd'hui, qui font une rencontre, ce qu'on appelle mukhabbel, qui est totalement inventé et infondé, et qui se marient du jour au lendemain, ils ne se connaissent même pas, du jour au lendemain, on se retrouve avec quelqu'un qu'on connaît même pas. Et comment voulez-vous qu'on puisse, comment dire, supporter l'autre Pratiquement impossible. Et surtout que la manière dont on a connu la personne, c'était dans le cadre, ce qu'on appelle religieux, et du coup, on va avoir du mal à se libérer car on est toujours obsédé par le halal ou le haram. Moi, j'ai rencontré ce frère dans une mosquée, j'ai rencontré cette soeur, je ne sais pas, par l'intermédiaire d'une un, soeur ou d'un frère, etc. Donc, on va regarder toujours cette vision et tout simplement, on va être incapable de se libérer du mariage et c'était pas du tout ce que faisaient les salafs à salih. même dans le Coran al-Karim lorsque Allah Ta'ala pendant Ramadan nous a parlé de ce qui est permis pendant la nuit de Ramadan, il nous dit oh « la comme on vous a autorisé la nuit du jeûne « il nous a pas dit de faire des rapports avec vos épouses dans cette, dans cette expression normale. Non, Allah dit al-Rafat, et al-Rafat, c'est-à-dire la vulgarité avec vos femmes, et le texte arabe, ou bien le texte du Coran al-Karim, il dit ainsi al-Rafat, c'est ce qui est plus vulgaire dans comment dire le vocabulaire qui concerne les hommes et les femmes. Et, Logiquement, pourquoi la Ta'ala l'a-t-il choisi Pour qu'il nous fasse comprendre qu'il n'y a pas de tabou entre l'époux et son épouse. Et d'ailleurs, c'est l'Af-Saleh, et je ne préfère pas, voilà, dans cette intervention, vous citer leur poésie, leurs expressions, car tout cela va sembler à beaucoup de monde une grossièreté, une vulgarité, alors que ceux qui ont prononcé ça sont les grands compagnons, sont les grands thébien, sont etc. Et même on a des livres qui ont été rédigés dans ce cadre-là, comme le livre connu de Ibn Kamal Ibn Kamal Basha, c'est l'un des savants de l'islam, et il a, appelé, dit, euh, il a appelé son livre « Le retour du cheikh du vieillard à sa jeunesse ». Donc, je vous laisse déduire le contenu, le contenu de, du livre, de ce livre-là. Imam Soyote, Jalal din Soyote, a écrit également un livre, il l'a appelé « nawadir al-Aïk Aik. Je ne préfère pas finir le titre. Et encore, encore, voilà, c'est les livres auxquels vous, vous avez accès, car ce sont des livres connus, c'est etc. et qui sont édités sinon les livres qui ne sont pas édités et qui sont encore manuscrits sont encore beaucoup plus nombreux qui nous expliquent un peu le rapport qu'avaient les époux avec leurs épouses donc à mon sens le premier critère qu'on doit avoir lors du mariage c'est l'amour et il faut qu'on se donne du temps de se rencontrer, de se voir, d'échanger pour qu'on puisse se marier sur une bonne fondation, pour que notre mariage ne soit pas frappé d'échec avant même qu'on se marie et qu'on ne soit pas... Comme le récit que rapporte Nasser et encore d'autres, euh, qui a attribué à Khalid ibn al-Walid, qu'est-ce qui, qui s'est passé en vérité? Pourquoi les musulmans aujourd'hui, le mariage chez les musulmans est en échec? Aujourd'hui, en partie, c'est à cause de l'héritage islamique, à cause des savants et leurs fatwas. Ces savants qu'on voit qui ne sortent tous les jours des fatwas dans tous les sens. En fait, c'est à cause d'eux que les musulmans qui n'ont rien fait de mal dans leur vie, qui, que les musulmans vivent cet échec-là. Et ceci se résume, dans, se résume dans un récit de Khalid ibn al-Walid, comme rapporte Zuhri d'après ibn Abi Hadrat, d'après son père, ibn Isam al-Muzni d'après son père, Yazid al-Nahwi d'après Akrimah, d'après Abdullah ibn Abbas, et encore d'autres. Il nous raconte cette histoire, cette fameuse histoire, qui dit que le prophète sallallahu alayhi aurait envoyé une expédition à Joudaïma. Joudaïma c'est une tribu et, et, et le chef ce jour-là était Khalid ibn al-Walid. Donc qu'est-ce que ces musulmans ont fait Ils ont attaqué cette tribu, ce village civil, des gens qui, étaient, qui vivaient sereinement leur vie. Et donc ils attaquent ce village-là. Après, je vais vous raconter l'histoire, l'origine de cette histoire que les savants musulmans inscrits dans la Syrah du prophète et que les savants du hadith dans leurs authentiques ou dans leurs recueils ont mis cette histoire. Et donc, euh, Khalid bin Walid avec les musulmans a attaqué ce village. Ils ont capturé tout le monde. Voilà. Ils ont mis les hommes d'un côté et les femmes de l'autre côté. Donc, les hommes de ce village qui ont essayé de défendre leurs femmes, leurs honneurs, leur honneur et leur village, ils ont été tout simplement tués et décapités. Il restait un seul homme qui ne faisait pas partie des combattants. Pourquoi Car lui, il était déjà prisonnier dans la tribu de Judaïma. Il avait le cou attaché au bras, comme ça. Et donc, ils ont pris cet homme ils l'ont mis d'un côté avec les enfants et de l'autre côté les femmes. Et donc, cet homme leur dit Mais qu'est-ce que vous allez me faire en sachant que je ne suis pas de judaïs, mais je suis déjà un prisonnier. Qu'est-ce qu'on va faire bah, Tout simplement, on va te tuer. C'est ça la loi d'Allah Ta'ala. Et c'est ce que dit l'héritage islamique avec ses disciplines, etc. Et donc, cet homme, il leur dit avant de me tuer, Permettez-moi d'aller voir ce groupe de, ce groupe de femmes, c'est-à-dire les prisonnières, les captives. On lui a dit, euh, la kahada, donc tu peux, voilà, ils l'ont ramené voir ces femmes-là. En vérité, cet homme, c'est quoi son histoire Cet homme, il vient d'une autre tribu et il aimait une femme de la tribu de Beni Judaïma. Et vu que cette tribu était en conflit avec cette tribu, elle refusait de lui donner, euh, comment dire, leur fille. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait Lui, il voulait discrètement venir tout simplement voler, kidnapper, faire une histoire d'amour avec cette femme et partir. Sauf qu'il a été interpellé par les membres de la tribu. Et ils l'ont tout simplement euh, attaché. Et donc, il voulait la voir. Et il lui a dit, euh, donc lorsqu'il se présente devant elle, il lui a dit, Aslim Hobayesh nafad. » Soit au oh, Houbeish, elle s'appelle Houbeish, à, à la base elle s'appelle Houbeish, sauf, euh, voilà, lui il dit, aslimh, soit on paie au Houbeish avant la fin de la vie. Et donc qu'est-ce qu'on a fait Et après avoir dit ceci et quelques vers de poésie, on lui coupe la tête, il tombe, et la femme qu'il aimait, elle se jette sur lui, sur lui et ils disent les transmetteurs. Elle en n'a fait qu'un seul cri et elle est morte sur le coup. En vérité, ce récit-là reflète fidèlement ce qu'a fait l'héritage islamique à la jeunesse musulmane. C'est que tout simplement, il a tué en nous toute volonté, toute énergie. Tout amour, c'est ce qu'il a fait malheureusement quand je dis l'héritage islamique. Tout ce qu'on a inventé comme hadith, tous les avis, les fatwas que qu'on a vus dans l'histoire islamique, qui tous mènent à la haine, mènent à tout ce qui est tout simplement négatif. En vérité, ce ici là et fait partie de cet héritage. Ce n'est pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a envoyé qui que ce soit à Benjoudaïma. Et d'ailleurs, cette histoire, elle est bien authentique, sauf qu'elle qu est mal placée. Ce n'est pas pendant la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cette histoire est connue et notoire dans la poésie arabe. A eu lieu bien avant l'existence du prophète, c'est-à-dire avant l'islam. Et cet homme, euh, comment dire, en question, qui a été assassiné, c'est Abdullah ibn c'est un grand homme dans l'histoire avant l'islam. Et euh, cette fille, elle s'appelle Hu Baisha. Sauf que euh, les historiens musulmans, bien les transmetteurs musulmans, à chaque fois pour qu'ils puissent euh, écrire leurs livres car autrefois c'était euh, écrire un livre c'est comme aujourd'hui aujourd'hui faire des des, 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 des des vidéos etc pour euh, de l'argent pour avoir beaucoup de vues euh, beaucoup de vues et avoir plus d'argent de parler de tout et n'importe quoi d'inventer les choses etc car malheureusement la majorité des musulmans malheureusement euh, comment dire est manipulée par ce discours religieux autrefois il n'y avait pas les vidéos autrefois il y avait les livres donc pour qu'ils puissent écrire des livres, ils avaient besoin d'une base de données. Et donc, une fois que Mohamed Ibn Ishaq a pris, comment dire, l'histoire de Issa alayhi Salam, Jésus, et tout simplement il a enlevé Jésus et les personnages autour de Jésus. Voilà, euh, on sait que c'est que des, des 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 inventions. Bref, et il a mis des personnages musulmans, il a attribué au prophète Ali, Salam. D'autres comme Ibn Abbas, Ibn Zubair, il, ils ont importé, surtout Ibn Zubair des récits, comment dire, arabes, et il les transformait en récits c'est-à-dire en mettant le prophète Ali, salam, etc. Et donc en, en vérité, cette histoire a eu lieu bien avant la mort du prophète Ali. Mais pourquoi je vous, je vous ai raconté cette histoire? Car cette histoire euh, reflète quelque chose, reflète d'un côté une barbarie, une haine, et reflète de l'autre côté des gens saints, normaux, qui veulent faire leur vie sereinement, loin des problèmes, mais le problème c'est que les barbares ne les laissent pas vivre leur vie sereinement. Voilà le premier élément que je voulais partager avec vous. Et la prochaine fois, je vais vous, vous parler du deuxième élément qui aussi joue un rôle peut-être encore plus important que le premier élément et qui concerne l'étape appris après mariage. Lorsque les gens se marient, est-ce que le mariage se fait sous un même et unique toit Est-ce qu'on peut se marier et que chacun reste de son côté chez lui, faire sa vie, etc. Comment les gens se mariaient à l'époque du prophète, alayhi salam, et à l'époque des compagnons Pourquoi autrefois le mariage connaissait plus de réussite qu'aujourd'hui Donc nous allons essayer d'aborder le deuxième élément, et vous allez découvrir vraiment beaucoup de choses. Un autre, une autre conception, un autre mode de vie, بوندون أو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته